Nous sommes ici pour notre événement Futura Systemix, le troisième que l'on organise et qui présente les activités de l'IRT Systemix et plus exactement, qu'est-ce que l'ingénierie numérique des systèmes. Dans ce cadre-là, il s'agit de comprendre le travail que fait un ingénieur dans ce domaine du numérique pour concevoir, développer, valider et tester l'ensemble de ces nouveaux produits qui incluent de plus en plus de numérique. Il y a une idée simple. Un produit est compétitif soit parce qu'il est moins cher, soit parce qu'il est meilleur. Et il est meilleur parce qu'il apporte quelque chose de nouveau au client. Et cette innovation, elle résulte d'une invention, mais elle résulte aussi d'un progrès technique. Et ce progrès technique, il se construit par une collaboration recherche-industrie. Et donc, l'innovation, c'est des gens qui travaillent ensemble pour un plus apporté au client. Le défi de l'IRT Systemix est de s'insérer au sein du plateau de Saclay sur ses dimensions ingénierie système en s'appuyant à la fois du côté académique sur la nouvelle université Paris-Saclay et du côté industriel sur l'ensemble de l'écosystème qu'a constitué le pôle de compétitivité systématique. On arrive ainsi avec ces deux piliers à les faire travailler ensemble et aborder des problématiques qui sont tirées par le marché sur des cas d'usage et qui sont souvent transversales par rapport à différents marchés que sont le monde du transport, le monde de la sécurité, le monde des télécoms ou le monde de la cybersécurité par exemple. Paris-Saclay a vocation à devenir le centre français et même le centre européen de rencontres entre les entreprises, l'industrie, la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Dans un seul lieu, dans un périmètre de 10 ou 15 km, on retrouve des grands centres de recherche industrielle, les meilleures écoles et universités françaises et des centres de recherche appliquée à la pointe du progrès. Et donc, ce dialogue, cette proximité géographique, ce fait que ces gens qui travaillent sur les sujets voisins peuvent se rencontrer, fait qu'on y fera plus d'inventions, plus d'innovations, et donc qu'on construira l'avenir économique du pays.